Le temps qu'on se mette en route, juste une anecdote que j'ai donnée à mon voisin et ami. Il y a quelques années, j'organisais, vous savez, la journée des dictionnaires, et un conférencier brillant, qui n'est pas dans cette salle, avait devant lui des notes, et j'étais à sa droite, et consciencieusement, il tournait de temps en temps les feuilles, les pages, et j'étais le seul à savoir que les pages étaient vides, il n'y avait rien dessus. Mais ça faisait beaucoup plus sérieux de tourner les pages. Et je suis resté... Non, moi j'ai quelques notes quand même. Je vais commencer par des remerciements, c'est normal, mais très, vraiment très sincère, et en commençant par deux prénoms, qui sont les deux Bernard qui auront guidé mon existence professionnelle. Un Bernard Quémada, que, hélas, il nous a quittés, et qui était le pionnier, je dirais, de la métalexicographie, et notamment du Trésor de la langue française. Et puis Bernard Cerchiglini, qui, avec l'histoire de la langue, dont il est un empereur, un prince, et en même temps qui nous a offert le Trésor de la langue française gratuitement sur Internet. Et ça, tous les jours, je pense à Bernard Quémada et Bernard Cerchiglini. Et puis à vous, bien sûr, mes remerciements pour votre présence. L'Institut national pour la francophonie, incarné ici par Noé, qui a cette arche qui pilote avec vraiment talent, à la Délégation générale à la langue française et aux langues de France. On doit ce dernier qualificatif à Bernard. À l'université, bien sûr, Jean Moulin, résistant, mais nous sommes à notre manière aussi des résistants pour une langue française ouverte et en même temps qui reste belle. Alors, en guise d'introduction, il se trouve que j'avais écrit un livre il y a quelques années sur les dictionnaires français au-dessus d'une langue et d'une culture. Il a 10-12 ans maintenant. Et le fait est qu'en 10-12 ans, il y a eu tellement de changements que j'ai demandé à le rééditer et à le transformer avec un chapitre dans lequel il y a forcément le dictionnaire des francophones en très bonne place, puisque ça illumine ce début de 21e siècle. Et alors, quand vous faites un nouveau chapitre, j'ai l'habitude de choisir ce qu'on appelle des épigraphes. Voici celle que j'avais choisie, qui date du 2 octobre 2003. C'est tiré du Devoir. Donc c'est un des grands journaux du Québec, c'est l'équivalent du Monde à peu près. Avant, le dictionnaire était essentiellement de la graphie. Aujourd'hui, avec le numérique, rien n'empêche de répertorier des mouvements et des sons. Je ne comprends pas que, actuellement, en 2003, je ne puisse pas avoir un dictionnaire dans mon Palm, entendons téléphone intelligent, en tout temps. Les technologies le permettent, on pourrait alors se promener avec le dictionnaire dans ses poches. Bon, eh ben c'est chose faite, et pourtant, il n'y a pas si longtemps, donc on voit l'évolution assez extraordinaire qui a eu lieu en moins de deux décennies. Redire peut-être que, dans le fond, il y a à explorer ceci avec l'histoire. C'est-à-dire que je suis profondément positiviste, je crois quand même que les morts gouvernent aussi les vivants et que les dictionnaires d'hier gouvernent un peu ceux d'aujourd'hui, avec évidemment un renouveau formidable. Et j'essaierai en trois points d'aborder un peu le sujet qui m'a été demandé que je suis avec enthousiasme. Le premier, c'est peut-être de recentrer par rapport à l'histoire proche, l'histoire récente. Et c'est surtout pour, finalement, nos étudiants, je vois ici des gens fort jeunes et j'en suis vraiment ravi, qui n'ont pas forcément connu les cartes perforées et qui sont presque nés avec le téléphone dit intelligent ou le mobile ou le smartphone, etc. Et puis après, je reviendrai sur une histoire un peu plus lointaine, la colonne vertébrale qui nous conduit à cette histoire récente, et puis peut-être, dans un dernier temps, les quelques leçons à retenir, ou en tout cas presque ce qu'on peut constater. Alors si on cherche l'histoire récente, dans le fond, 1993, voilà le premier smartphone. Alors smart veut dire intelligent en anglais, habile, élégant aussi. Ça a été
transformés avec téléphone intelligent, ou bien mobile, ou bien cellulaire. Enfin, il y a eu beaucoup de mots qui ont correspondu. Mais ça nous montre quand même qu'il y a peu de temps. 1993, c'est à peine un peu plus de 20 ans. On l'a appelé aussi terminal de poche, on a voulu l'appeler ordiphone. Et la seule chose qu'il faut constater, c'est que l'outil que nous avons presque tous dans nos poches, eh bien, au fond, il est plus puissant que les plus gros ordinateurs de 1980. Donc ça nous donne une idée du pouvoir, et évidemment, du côté exponentiel de nos possibilités. 1998, Google. C'était hier. On a l'impression d'être perdu si on n'a plus Google, parfois. Et donc, on sent bien qu'il y a là eu aussi une révolution numérique et aussi dans l'information. 2001, c'est Wikipédia qui apparaît. Là aussi, on aime toujours savoir d'où viennent les mots. Il se trouve que Ward Cunningham, se trouvant à Hawaï, entend wiki-wiki, qui veut dire vite-vite. Et ça lui donne l'idée d'un nom, évidemment, de quelque chose qui va aller très vite numériquement. Et voici qu'en mettant, évidemment, encyclopédia derrière, on se retrouve avec Wikipédia. Je dois l'avouer, j'ai du tout corrigé ici, parce qu'il y avait un certain scepticisme, il y a encore 15 ans, sur les informations apportées dans Wikipédia. Aujourd'hui, il n'y a plus personne qui n'ait pas consulté Wikipédia et qui n'y ait pas trouvé souvent... des choses extraordinaires, en tout cas des informations précieuses. Et en 2012, d'ailleurs, l'université d'Oxford avait fait une analyse très pointue pour montrer qu'il n'y avait ni plus ni moins d'erreurs dans nos dictionnaires papier que dans Wikipédia, et qu'on était donc à égalité, si je puis dire, d'informations, à ceci près que ça peut être constamment, évidemment, recorrigé. Et puis 2020, 2 200 000 articles, ça va de Proust à l'exosquelette, en passant par la country et Alan Jackson. Donc on a vraiment une information qui est assez prodigieuse. Et puis personne ne discute, si vous voulez, le fait que c'est un outil qui est très intéressant. Alors quand on dit Wikipédia, évidemment, on pense aussi au Wiktionnaire, dont Noé est ici, pour ainsi dire, un pionnier. Et c'était donc un projet de la Wikimedia Foundation, et qui donc a pris le nom de Wiktionnaire, et dont l'objectif était de donner la définition de tous les mots, de toutes les langues, dans 250 langues de rédaction. Donc on sent l'immensité, le côté volontairement exhaustif, la tendance exhaustive du projet. Et on sent bien que dans ce merveilleux DDF, dès qu'on dit DDF, c'est passé dans la langue. C'est comme le DFC, c'est comme le TLF. Dès qu'un dictionnaire est grand, il attrape un sigle. C'est ça, condamnation valorisante. Et on voit bien que le dictionnaire a aussi donc été une source dans la manière de fonctionner. Et il a commencé, et c'est là où le trait d'union est toujours avec l'histoire, il a commencé avec des définitions qui étaient libres de droit. On oublie toujours le côté juridique des choses. C'était le dictionnaire de l'Académie de 1878, et c'était le Littré, à peu près de la même date, qui évidemment était quand même assez défaillant. Déjà, Littré, de grande qualité, mais malgré ses 250 000 citations, était plutôt un dictionnaire du 17e, 18e et tout début 19e. Et l'Académie, l'édition de 1878, n'est pas la plus mauvaise, mais ce n'est pas non plus la meilleure. Et donc on se retrouve là très vite avec la volonté de faire mieux, et donc le dictionnaire va prendre en quelque sorte son envol. C'est une extension aussi aux innovations lexicales. Je ferai peut-être une remarque personnelle. Je fais presque tous les jours des chroniques de langue radiophonique. Et chaque fois que j'ai un mot récent, qui ne peut pas être dans le trésor de la langue française parce que le mot est arrivé après, je me retrouve sur le dictionnaire très souvent. Et quand je cherche une citation moderne, c'est presque toujours le dictionnaire qui me la donne. Et là, c'est aussi quelque chose que parfois on ne sait pas. Les définitions sont rapides, mais les exemples sont vraiment excellemment choisis.
étymologie minimale, certes, mais il y a les variantes, il y a les synonymes, il y a les antonymes, il y a les hyperonymes, les traductions dans d'autres langues. Et puis, quelque chose auquel je suis sensible, que n'ont pas les dictionnaires et que le DDF et le dictionnaire ne négligent pas, c'est ce côté jeu de mots, les anagrammes. Et j'ai toujours pensé que les définitions de mots croisés, les anagrammes, c'est une facette du mot. Ça fait partie du mot, ça fait partie de sa définition, d'une manière de le voir. Et c'est bien, si vous voulez, qu'il y ait une sorte d'ouverture de fenêtre sur le sujet. Alors, les chiffres, Noé me les corrigera sans doute. On était à 4 millions de pages, c'est ce que j'avais noté en 2020. Mais bref, ça fait partie, comme le DDF, d'un pari perdu toujours, puisque chaque fois, il y a un peu plus de mots et un peu plus de pages. Alors, Bernard, me dirait, mais là, vous n'oubliez pas quelque chose. La première fois que j'ai invité Bernard Kibada à la maison, d'ailleurs, j'avais fait le nettoyage, il y avait une machine à laver qui n'était pas à la bonne place, je voulais l'accueillir magnifiquement, donc j'avais fait un effort énorme, on regarde si les rideaux sont bien là, etc. Lui, évidemment, s'il intéressait, et puis moi, ce que je voulais lui montrer, c'était les 10 000 dictionnaires dont j'ai fait collection. Et je le voyais, la mine grise, pendant la première partie de la visite de la maison, il ne voyait pas le TLF. Et enfin, arrivé à mon bureau, il y avait le trésor de la langue française derrière moi. Et là, bon, l'odeur était sauf, il était content. Et moi aussi, bien sûr. Mais le TLF, c'est aussi un peu le père de toute cette aventure, d'une certaine manière. 1971, voilà le dictionnaire qui est lancé, grâce à Bernard Kibada, avec le plus gros ordinateur du monde, un peu vieillissant déjà, mais énorme. Bernard en a parlé tout à l'heure, tenant toute la cave, avec ses fameuses jaquettes, je les ai toutes de l'époque, où vous avez au dos, sur la quatrième de couverture, on se croirait avec James Bond, on voit des murs avec des films, des rubans qui sont les bandes perforées. Et puis, comme James Bond, ils sont en blouse blanche. Donc là, vraiment, c'était le nec plus ultra du modernisme en 1971. Et c'est vrai qu'il y a un nombre extraordinaire d'ouvrages qui ont été intégrés. Et dans le même temps, évidemment, ça va suivre l'évolution. Bientôt, on va abandonner les bandes perforées pour passer aux bandes magnétiques et arriver à Internet. Et grâce à Bernard Cerchiglini, on se retrouve avec Internet, d'abord sur CD-ROM et ensuite... petit prix pour les 450 000 citations qu'il abrite, le moteur de recherche, les 110 000 mots à peu près qui s'y trouvent, et ensuite totalement gratuit sur Internet. Et je dois dire que c'est un outil quotidien, pas assez connu de nos amis littéraires qui ne comprennent pas que si je cherche un exemple avec le mot propriété qui soit tiré de Victor Hugo, je peux le chercher sur Internet sans problème. Il suffit d'utiliser le moteur de recherche. On me donnera, s'il y en a une ou s'il y en a plusieurs, toutes les citations où Victor Hugo aura utilisé le mot propriété ou bien Dieu, des mots plus larges, etc. Et ça peut être évidemment très intéressant. Donc voilà en quoi, si vous voulez, on a affaire à véritablement, avec le TLF en toile de fond, à une aventure qui est quand même exceptionnelle. On arrive aux confins du XXe et XXIe siècle, Usito. Usito, c'est le Québec. Donc là, on quitte un petit peu, si on est la langue française, j'allais dire, de France. Et Usito va assez vite devenir, c'est le dictionnaire du Québec, qui est de Sherbrooke, l'université de Sherbrooke, avec Hélène Cajolet-Laganière, et puis d'autres, Jean-Claude Boulanger, Louis Mercier, bon, qui y ont participé, Pierre Martel, et qui va lui aussi attraper sur l'exemple du grand frère que représente le TLF, et qui reste le très grand frère. En 2019, nous sommes là avec 60 000 mots, et le voilà devenu gratuit aussi sur Internet maintenant. Donc autre ouvrage qui suit la même direction due à cette révolution numérique. 2019, c'est cette fois-ci le 7 janvier, l'Académie française passe
aussi avec un portail à la gratuité de son dictionnaire, qui était latente, mais surtout à la présentation de toutes les éditions. Ce qui, pour les historiens, est assez prodigieux, puisque quand vous cliquez « colloque », par exemple, c'est peut-être pas le bon mot, mais « livre », vous allez tomber, évidemment, sur la définition de la 9e édition, parce qu'on n'est pas encore à la fin de l'alphabet. La fin de l'alphabet n'est pas achevée. L'Académie a encore quelques années pour le terminer. Vous cliquez sur l'ascenseur, la barre qui se trouve au sommet de l'écran, et vous avez 8e, on est à la 9e édition, 8e, 7e, 6e, 5e, 4e, 3e, seconde, première, vous pouvez cliquer sur 1, vous vous retrouvez dans le dictionnaire de l'Académie, d'où la première édition, non seulement retranscrite telle qu'elle, mais en plus avec la page en facsimilé à côté. Donc c'est quelque chose qui est quand même assez remarquable. Pour les historiens de la langue, c'est évidemment très précieux d'avoir un dictionnaire qui a 9 éditions successives. S'y trouvent aussi des liens qui vont nous donner, par exemple, tout ce qui concerne la France Terme, liens aussi avec donc la banque de données panlexicographique. Bref, des liens très intéressants, puis dire, ne pas dire, etc. On est dans un dictionnaire classique, mais avec toutes ces fonctions électroniques. Et puis arrive 2020. Alors évidemment, chaque fois que je dis 2020, c'est une date de naissance. Mais on sent bien que ça a été concocté de longues mains et réfléchi. Et peut-être que quand Bernard a proposé ce projet, il avait peut-être 10 ans, sans même le savoir, de latence dans ce grand projet extraordinaire. Et voilà un projet donc national, le dictionnaire des francophones, qui est dès le 20 mars 2018 issu d'une proposition du président de la République, ça a été dit, mais qui à la fois c'est un dictionnaire de l'institution politique, si on peut dire, puisque c'est l'étincelle, même si elle a été alimentée avant, bien sûr, avec donc Emmanuel Macron. Institution aussi linguistique. Et là, c'est la délégation générale langue française et l'arrivée de Paul de Cinetti. Et puis, univers scientifique. Et là, c'est Bernard Cerchiglini, le conseil scientifique qu'il a créé, Noé qui est aux commandes, si on peut dire. Et donc, on a là deux dictionnaires. Quand on prend le dictionnaire de l'Académie et le dictionnaire, le DDF, si on y réfléchit bien, à mes yeux, c'est une énorme revanche. C'est-à-dire que c'est la revanche du gratuit, de l'institutionnel, du savoir savant, sans passer par le privé et les besoins financiers. Et ça n'était pas le cas. Même si Littré est un extraordinaire dictionnaire, même si le Grand Larousse est aussi un très grand dictionnaire, ce sont des entreprises privées qui sont soumises à la loi du marché. Là, on est dans un autre domaine. C'est vraiment l'immense revanche. Et qui plus est, c'est le premier dictionnaire sans papier. Alors, dictionnaire, bon, évidemment, on fait partie, mais véritablement grand dictionnaire d'avenir, sans papier. Je dirais l'éco-dictionnaire avant la lettre, mais bon, ça serait joué sur ce préfixe dont on abuse. Alors, 300 millions de francophones sont concernés, et tous ceux qui apprennent la langue, donc c'est beaucoup plus. C'est bien un dictionnaire des francophones, et pas de la francophonie, ce qui donne, si vous voulez, le pouvoir, finalement, au public, au lecteur. C'est un dictionnaire fédératif. Ça aussi, c'est la première fois que ça se passe à ce point, c'est-à-dire utilisant les bases de données déjà existantes, dans le privé comme dans le public. Hein, on en parlait tout à l'heure pour d'autres bases de données qui peuvent être utilisées, que vous avez exposées ce matin. Avec des langues régionales, c'est exponentiel, il y a 1 million de mots à peu près, en tout cas on n'en est pas loin, plusieurs centaines de milliers de visites, et le plaisir de donner, parce que ça aussi, je ne peux rien donner au petit Larousse, enfin même si j'adore le petit Larousse bien sûr, je ne peux pas donner grand-chose au TLF, mais je peux donner quelque chose, tout comme ma grand-mère peut donner quelque chose au dictionnaire des francophones. Et là, on est tous plus ou moins et dans la cueillette et dans les cueilleurs, et on en bénéficie. Donc ça, c'est quand même extrêmement
novateur. Alors, je conclurai ce premier point avec une dictée, je crois que c'est toi, Bernard, qui l'avais imaginée. Il ne s'agit, en fait, si on cherchait une conclusion à ça, à ce premier point, il ne s'agit ni de pincer son français, on est en Belgique, ni de couper les coins en rond, coin c'est ONGS, on est au Québec. Il faut s'abader, c'est-à-dire on est en Suisse, se lever tôt, dès le barzour, c'est-à-dire au point du jour, sans, tu l'as rappelé ce matin, girafer sur mon voisin, et aussi sans parcuriser, sans apprendre par cœur, comme on dit au Sénégal. Alors passons au deuxième point, rapidement. Voilà, vraiment rapidement. La conclusion sera très rapide. Le deuxième point, c'est la colonne vertébrale. 7e siècle, Isidore de Séville nous offre un dictionnaire d'étymologie. Il y a des dessins. L'interprétation des mots avec une étymologie est religieuse. 1502, le calepin. 11 langues en fin de parcours. On s'intéresse aux autres langues. On est déjà dans une perspective plurilingue. 1539, le français passe en premier dans un dictionnaire bilingue. 1631, on est avec Sommès dans la critique des précieuses, avec le dictionnaire des précieuses. Ce sont des variantes, sociaux, culturelles, littéraires, etc. 1647, Vaugelas, remarque sur la langue française. On s'intéresse, cette fois-ci, de plus près à la langue, on perd l'aspect religieux, philosophique pour en venir à l'usage. 1650, de manière sérieuse, sans passer par la religion, ce qui n'est pas une critique, c'est une évolution, bien sûr, on est aux origines de la langue française avec Ménage. Et puis arrive la trinité lexicographique, c'est-à-dire les dictionnaires qui vont normaliser la langue, non pas être plagiaires les uns des autres, mais se ressembler beaucoup dans... tout de même dans pas mal de définitions, et c'est heureux, ça fixe l'usage, c'est Furtière, c'est Richelet, pardon, en 1680, avec le dictionnaire de la langue française, c'est l'ancêtre du Robert et du Littré, à la limite. 1690, c'est Furtière, c'est le dictionnaire encyclopédique, l'ancêtre de Larousse. 1694, l'ancêtre d'elle-même, c'est l'Académie française, et son premier dictionnaire de l'usage normatif. Et on l'oublie souvent, 1694 aussi, le dictionnaire de Thomas Corneille, qui est le second dictionnaire de l'Académie, a-t-on dit parfois, qui est annoncé dans la préface du premier dictionnaire des arts et sciences, qui a largement utilisé Furtière, mais qui est du côté du vocabulaire technique. Voilà pour le 17e. 17e, c'est donc normalisation, mais sur la langue. 1718, Girard, dictionnaire de synonymes. On s'intéresse de près maintenant à la synonymie distinctive. Un français riche, la différence entre débuter et commencer. 1740, troisième édition du dictionnaire de l'Académie, les mots techniques. 1751-1772, vous avez compris, un nouveau type d'ouvrage qui n'est plus dictionnaire de langue comme le Richelet, dictionnaire encyclopédique comme le Furtière, mais encyclopédie avec Diderot et d'Alembert, où le mot est davantage un concept, une idée, qu'un mot précis de la langue qu'on va développer et radiographier. Ensuite, 1787, dictionnaire critique de la langue française. Là, on est dans la discussion sur l'orthographe. L'abbé Ferraud propose une nouvelle orthographe. Arrive la Révolution, 1798, c'est la cinquième édition de l'Académie. Il y a le supplément des mots de la Révolution à la fin. Cette révolution change beaucoup de choses, parce qu'il y aura la révolution industrielle, on va la retrouver dans le complément du dictionnaire d'Académie en 1842. Il y a le côté progressiste, c'est Larousse, avec les premiers dictionnaires pour, disons, les élèves, dictionnaires déjà d'école, et puis dictionnaires avec des points de vue évidemment critiques, politiques. La contestation de l'alphabet, qui commence avec Boissière et son dictionnaire analogique en 1862, qui pense que l'avenir n'est plus à l'alphabet. D'une certaine façon, il n'est plus vraiment à l'alphabet non plus. On ne consulte plus forcément nos ouvrages numériques, et évidemment dans l'ordre alphabétique. Ensuite, le sérieux scientifique, avec, plus qu'on ne le croit, Larousse, dans ses étymologies, souvent très bonnes, c'est d'ailleurs un mystère, et Littré, qui évidemment rêvait de faire un dictionnaire étymologique,
Et c'est son camarade de classe Hachette qui lui a dit c'est trop tard, maintenant il faut faire un dictionnaire de la langue. Et voilà pourquoi le dictionnaire de Littré est très riche sur le plan historique. Et puis, n'oublions pas, 1865-1894, quatre volumes de l'Académie française, dictionnaire historique de la langue française. Là où le bât blesse, c'est que ce dictionnaire historique de la langue française, les quatre volumes, c'est la lettre A. Donc on n'a jamais dépassé la lettre A, et le projet donc, a été abandonné, parce que sinon on devait calculer qu'on serait peut-être à la lettre G, mais on n'en est même pas sûr. Alors en 1890, Hatzfeld et Darmstädter, là c'est intéressant parce qu'il est premier à vraiment bien classer les mots grand 1, petit 1, à donner une structure que reprendra le grand Robert et l'Académie en fin de parcours. 1898-1904, j'ai presque fini à Noé, Claude Auger, nouveau Larousse illustré, là, illustré. Et ce n'est pas une plaisanterie. Sur chaque page, il y a des illustrations, la page des champignons, il y a des pages entières en couleur, il y a des cartes dignes des atlas. Donc c'est vraiment aussi quelque chose de très nouveau, auquel ne croyait pas d'ailleurs Pierre Larousse. Mais là, on n'est plus avec Pierre Larousse, on est avec son successeur. 1905, petit Larousse illustré. Nous passons au millésime. C'est un symbole. Les millésimes existaient déjà avant, depuis le nouveau dictionnaire langue française de 1856. Mais là, avec le petit Larousse illustré, c'est une institution qui perdure et qui montre à quel point l'ouvrage est dans le grand public. Et on l'a dit, son nom, petit Larousse illustré avec la semeuse, a beaucoup plu aux femmes. Et c'est un ouvrage qui était sensible aux dames. Et ça a peut-être été une de ces raison, une des raisons de son succès. Et puis arrive ensuite 1922-2002, c'est le Wartburg, monument de l'étymologie qui est encore une bible pour nous. Et puis il y a le Larousse du XXe siècle, là c'est la photo qui arrive et qui dépasse donc simplement les illustrations. 1949, Miguel des Taureaux, Larousse des débutants. Là on est pour les enfants. Et c'est ce que j'appelle la lexicographie heuristique, c'est-à-dire aller en recherche. Et souvent, ce sont des très grands noms, des grands lexicographes qui ont fait ces dictionnaires pour enfants. Je pense à Josette Redebove et d'autres. Et puis, 1964, Claude Dubois, grand dictionnaire encyclopédique Larousse, fait à partir de fiches perforées, on l'oublie. Les cartes perforées sont là, Dubois est convaincu et il est conçu, dans sa réalisation, bien sûr, avec ses cartes perforées. En 1966, Jean Dubois, c'est le structuralisme qui arrive, le distributionnalisme, puis le TF, je ne vais pas y revenir, on voit à quel point c'est une révolution. 1972, dictionnaire du français vivant, là on commence à se dire peut-être qu'on pourrait commencer non pas par mettre les définitions, mais par mettre d'abord les exemples et ensuite les définitions. Ça a eu un certain succès pédagogique. Puis 1993, le structuralisme est en train de baisser pavillon. Bernard Quémada avait toujours défendu à la fois les deux, mais la philologie. Et là, dictionnaire historique de la langue française, avec Alain Rey, bon, un document extraordinaire, qui doit beaucoup au trésor de la langue française, qui était vraiment le ferment de l'histoire des mots. Et on arrive ensuite au dictionnaire historique du français québécois. Et puis, en 2004, le TLFI informatisé. Et puis, je ne vais pas aller plus loin, puisqu'on vient de le faire. Alors, vous le voyez, dans toutes ces réalisations lexicographiques, en fermant, se trouve ce dont on profite aujourd'hui, grâce aux nouvelles techniques. Et si je résume, 7e siècle, on a déjà le dessin et l'histoire. 16e siècle, on a bilingue, monolingue, et on échappe à la métaphysique. 17e siècle, on a la normalisation nationale avec l'initiative privée et le dictionnaire d'institution. C'est une chance française, on a eu les deux dès le 17e siècle. 18e siècle, l'encyclopédie et ses planches, ouverture, dans le fond un peu Wikipédia. 19e siècle, eh bien, derrière la Révolution, on a une démocratisation extraordinaire. On commence à parler de dictionnaires portatifs qui vont plus tard des dictionnaires quasiment de poche, on évoque les dictionnaires scolaires, et on a les dictionnaires des grands lexicographes que sont Larousse et Littré, et qui ont relancé la lexicographie au point
qu'on considère que quand même la France et l'Angleterre, mais peut-être la France en premier, surtout maintenant qu'on a un prix Nobel de plus, avec donc, si vous voulez, une très grande dimension du côté des dictionnaires, une dimension mondiale. Et puis, il y a eu au XXe siècle le règne des millésimes, les Trente Glorieuses avec un nombre de dictionnaires invraisemblables, on n'en a pas conscience, on pouvait consulter le Hachette, le Larousse, le Robert, le Trésor de la langue française, le Quillet, l'Académie française. Et là, je ne cite que des grands dictionnaires en plusieurs volumes. C'était une richesse, une profusion. Fin du XXe, XXIe siècle, numérisation, Internet, et le dictionnaire, le dernier, évidemment, dictionnaire des francophones, qui signifie la gratuité, il ne faut pas l'oublier, la mobilité, puisque c'est sur le téléphone portable, le monde, comme public, les cinq continents. On avait les Médecins sans frontières, on a les mots sans frontières maintenant ici. La fédération des forces, c'est-à-dire des laboratoires dans le monde entier. Le français dans la francophonie, inséré dans quelque chose de plus large. Le décloisonnement créatif, le néologisme. C'est-à-dire que l'exemple de tel ou tel ou tel pays ou de telle ou telle région nous pousse à être plus à l'aise pour créer des néologismes, la régionalisation, parce qu'on parle du monde, mais à l'intérieur même de notre territoire, on l'a vu ce matin, il y a donc le franco-provençal mal nommé, mais qui quand même correspond à quelque chose qui pour nous est précis, l'apprentissage, l'enseignement ouvert, adapté à chaque pays, avec ses mobiles qui sont dans la main de chacun, et le jeu. Et puis pour finir, encore un concept qu'on oublie, l'indépendance. Indépendance financière, en gros, indépendance évidemment idéologique. Alors, le mot de Noé que Bernard évoquait ce matin, qui est moissonner, la moisson, la cueillette, on y est en plein avec ce dictionnaire-là. On est loin d'être dans les patates, comme j'entendais ce matin. Et donc, quand on fait des chroniques de langue, quand on s'intéresse aux mots, ben, on est toujours en train de consulter l'un de ces dictionnaires, mais très souvent le dictionnaire des francophones. Je voudrais conclure avec une anecdote. Il y a peu de temps, on me demandait d'où venait le mot financier. Alors bon, étymologiquement, on va le trouver un peu partout. C'est l'ancien français finé, c'est-à-dire qu'il était un infinitif pour finir, et qui voulait dire régler quelque chose par l'argent. Et puis après, ça a été celui qui s'occupait d'argent. Mais il y a le gâteau. D'où vient le gâteau, le financier? Alors le financier, il vient des sœurs visitandines à Nancy. À Nancy, beaucoup de choses se sont faites. Qui avait un gâteau avec de la poudre d'amande amère et qui les nourrissait. Elles en avaient besoin, d'autant plus qu'elles avaient beaucoup de blancs d'œufs parce qu'elles faisaient de la peinture avec les jaunes d'œufs. Et ça donnait avec de la farine ce gâteau qu'on appelait plus ou moins la visitandine. Seulement, à la fin du XVIIe siècle, il y a eu l'affaire des poisons. Et il se trouve que le cyanure a une forte odeur de poudre d'amande amère, et pour cause, puisqu'il y en a un tout petit peu de cyanure dans les amandes amères. Donc, c'était plus possible d'avoir des gâteaux à la poudre d'amande amère. Ils ont disparu en quelque sorte des pâtisseries. Et un pâtissier qui s'installe au 19e, on a oublié la Brinvilliers, s'installer à côté de la Bourse. Et là, justement, les boursiers, les financiers sont pressés. Ils veulent un gâteau qui ne poisse pas les mains, qui soit très nourrissant, qui puisse emporter facilement. Et il a l'idée de l'appeler le financier, de reprendre cette formule et lui donner la forme d'un lingot. Et voilà, et voilà le financier. Et ben le DDF me permet aussi d'aller chercher pour savoir si cette histoire se retrouve ailleurs, si on va retrouver le financier dans d'autres pays. Donc même par en quelque sorte l'absence dans d'autres pays d'un mot, c'est quelque chose de prodigieux. Alors Alain, on ne sait ce qu'on fait qu'en le faisant, mais moi je crois quand même que le DDF savait ce qu'il faisait, mais évidemment en le faisant tous les jours, vous devez vous apercevoir comment on n'arrête pas de progresser. Et Bergson disait que l'idée de l'avenir est féconde, mais je crois vraiment que là on est en plein dans l'idée de l'avenir. Merci beaucoup.